It's a one-man show. Connectez-vous aux légendes. Bienvenue sur One Man Show, vous êtes live avec Edim Kayi, on se connecte. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. TV. Vous êtes sur One Man Show. Bienvenue à toi, demande de cause. Merci de participer en partage, mon cher. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes là dans 5 minutes. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous.
connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Audio Jungle. Sur One Man Show. PSC TV. On se connecte, on se connecte. 3 minutes. Sur One Man Show. PSC TV. On se connecte. Merci de participer dans le show. Merci de participer, les gars. Donc, comme ce soir, c'était prévu. Notre chronique de ce soir. Juste un instant, je règle mes appareils. Alors, vous me recevez?
Alors, on vérifie tout ça. Donc, on se met là. Je vous remercie d'être nombreux à participer dans ce show. Merci encore à vous d'être là. Donc, je remercie tout ce monde qui est là. Monsieur Gatien, Jean-Paul, Ebon Mexan, Flori Kamba, Noas de Corse, merci de participer. Christian Romaric, merci de participer. Guy Martial, Choki, 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 what's up my man, how you doing? Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en pleine expérimentation de cette captation. Le temps de régler un peu tout ça et ça sera dans l'ordre. Vous allez remarquer, les mots que je prononce ne sont pas souvent inscrits de la même façon ou deux fois. Je veux prononcer des mots en anglais, c'est pas évident. Comme je l'ai dit hier, à la base, la captation était en anglais. Nous avons dû le modifier pour essayer de mettre le français là-dedans. C'est parce que j'ai eu des messages concernant certaines personnes qui sont malentendantes. Donc, vous avez besoin un peu de suivre. Ou deux fois, si vous êtes au boulot, vous voulez suivre le show et que vous n'avez pas envie de mettre les paroles et tout ça, vous pouvez utiliser la captation. Donc, pour l'instant, il est en pleine expérimentation. Voilà. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure vers 20h, c'était une émission spéciale, édition spéciale, chronique du premier président congolais. Donc, pour ceux qui me suivent à l'extérieur, pour ceux qui, des amis à moi, vous qui connaissez pas le Congo ou vous qui connaissez le Congo, suivez le show quand même. J'ai mis ça marque le truc. Suivez le show quand même. C'est comme si vous étiez en train de lire un livre ou c'est comme si vous étiez en train de voir un film, une histoire qui parle du Congo. Sauf que là, c'est moi qui va parler de cette histoire-là. Donc, il s'agit du premier président de la République du Congo. Donc, comme je l'ai intitulé, l'émission chronique du premier président congolais, appelé Philbert Youn. Je n'ai pas l'habitude de parler des grands hommes. Hein. Et moi, j'estime que pour moi, c'est un grand homme qui caractérise toute une nation, le symbole d'une nation qui fait partie de notre vie à tous, les Congolais, de notre histoire. Donc, je ne veux pas parler de cet homme sans pouvoir m'indexer auprès de lui ou auprès c'est quand même un grand éminent, hein, président, un abbé. Et pour ceux qui me connaissent, savent un peu la profession que j'ai eu à exercer pendant un certain temps. Donc, je vais m'incliner, nous allons prendre une minute de silence. Alors, si tu es là avec moi ou si vous êtes là avec des amis, les amis congolais, les frères et les sœurs congolais, qui que tu sois, quel que soit de l'obédience d'où tu viens, je vous demande, hein, c'est quand même un grand homme, moi j'ai du respect pour les grands hommes, donc nous allons nous incliner. On va prendre une minute de silence, c'est le temps de revenir dans le sujet, de rebondir dans le sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas l'habitude de parler des grands hommes, mais là, c'est une histoire congolaise qui m'intéresse et qui m'interpelle. Parce que j'aime bien savoir où je vais et de quoi je parle. Donc, dimanche passé, hein, ce dimanche, hein, ce dimanche qui vient de passer, là. Comme d'habitude, je tente de surfer sur le net. Donc, je surfais comme tout le monde. Et vous savez, les dimanches, les compatriotes, les amis, ceux qui sortent, il y a souvent beaucoup de live. Des fois, tu vas voir un live, quelqu'un dans sa voiture, surtout comme c'est l'été là, décapotable et tout ça là. Et voilà.
on voit toutes sortes de... Voilà, dans les lives, même quand tu es en route, des fois, toi-même, tu peux faire un live vite fait, captiver les moments présents et tout ça. Et là, il y a un live qui se fait chaque dimanche. Je sais pas, vous connaissez, hein, c'est le live de Landry Brice Déco, un compatriote congolais. Il fait des lives chaque dimanche qu'il appelle le 17h. Dans ce live-là, il y a beaucoup d'intervenants. Et il y a quelque chose qui m'a quand même surpris. Hein. Je me suis approché de ce live-là. Donc, je suis allé, j'ai écouté ça ce dimanche passé. C'était un live où il avait invité un certain monsieur, monsieur Willy de Bulls, qui est le président du Secours Populaire Congolais. Donc, il a dit, je vais un peu baisser, je vais un peu m'écarter un peu, là, parce que je prends trop de la place. Voilà, je me mets là, c'est mieux. Donc, il était question de la réhabilitation du président Philbert Yolo. Et ce live m'a vraiment m'a interpellé, a attiré mon attention sur beaucoup de choses. Pourquoi je dis que ce live m'a attiré mon attention? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la paix. J'aime tout ce qui est droit, tout ce qui est normal et tout ce qui a du sens. Tout ce qui émet du sens. Donc, par rapport à ce qu'il disait, j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure. Par rapport à ce qu'il disait, moi, ça m'a interpellé. Alors, je suis allé faire des recherches parce que tout le monde connaît l'histoire du président Yolo, l'ancien président du Congo, le premier président du Congo, je précise, celui qui a signé l'indépendance du Congo. Donc, nous connaissons son histoire. Mais ce qu'il disait dans son allocution, dans cette émission, en tant qu'invité, m'avait vraiment interpellé. Donc, j'ai dû suivre l'émission jusqu'à la fin. Bienvenue à toi, Gabin, Robert, Célestin, merci de participer. J'ai dû suivre l'émission jusqu'à la fin. Et il y a des endroits où qu'il a eu à mentionner dans l'émission que moi-même, j'avais pas capté. Alors, j'ai voulu me remettre dans le bain pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment. Parce que nous tous, qui que tu veux, le Congolais, nous aspirons à la paix, à la dignité, à la loyauté, à la bienveillance et à l'honnêteté, surtout entre nous. Donc, par rapport à ces valeurs-là, je suis reparti dans mes manuels, je suis reparti dans les recherches. Et là, avant de revenir à monsieur le président de l'association Secours Populaire du Congo, je suis allé faire mes recherches et en passant je me suis documenté aussi un peu sur lui, hein, parce qu'il fallait que je sache à qui j'avais affaire. Mais nous allons y revenir. Donc, je suis allé voir sur internet, j'ai relu mes manuels et tout ça, et j'ai concocté quelque chose. Moi et l'équipe de PSTV, nous avons n'oubliez pas, PSTV deviendra Caïd TV. Moi et l'équipe de PSTV, nous avons concocté quelque chose, un genre de documentaire que je vais vous montrer, que je projetais tout de suite. Et à la fin, chacun, nous allons conclure un peu. Je vais un peu aller commenter un peu ce que M. Willy Debout, le président du Secours Populaire Congolais, qu'il a essayé de... Nous allons en parler et je vous invite à participer. Si vous venez d'arriver, si vous êtes Congolais, ou partagez le show. C'est du lourd. Donc, je vous projette ce documentaire que nous avons concocté sur le président Yolo. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Nous sommes live sur les deux plateformes. Donc, je vous laisse suivre ce documentaire et nous reviendrons tout de suite après. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous.
Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République congolaise. En 1960, l'abbé Fulbert Youlou, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Youlou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Remarks of the President upon greeting President Youlou of the Congo, Mats Terminal, Washington, D.C., June 8, 1961. Mr. President, Secretary, General, Ambassador, I wish to express my great pleasure at this country being honored by your visit. You have played a most important and significant role in the most important event in the life of any country, and that is its emergence into a free, sovereign, and independent status. It is therefore a particular source of satisfaction to welcome you to the United States, which also, many years ago, passed through a similar experience, which has a comprehension of the things for which you stand and the things for which your country stands. It is therefore a particular source of pleasure to me, Mr. President, to inform you that we recognize in your life and in your efforts and in your commitments a strong passion for freedom, for your own people and for people everywhere. And therefore, Mr. President, you come to us today from a distant continent, but you come as a statesman whom we admire, as a friend of freedom, and as one who believes in increasing and cordial relations between your distinguished country and this country of the United States. Mr. President, we're proud to have you here. Thank you.
Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Fulbert Yulu, vous allez entendre l'interview que notre camarade Bergès a fait de lui quelques jours après sa fuite. Quels sont vos projets politiques, monsieur l'abbé, depuis votre séjour à Léopoldville et surtout depuis cette condamnation à mort qui peut changer vos projets? C'est exact. En arrivant à Léopoldville, j'avais voulu ne plus faire de la politique. Mais je viens d'être condamné à mort, sans raison et sans motif. Alors, je vais prouver à mes adversaires que je ne suis pas mort et que je ne mourrai pas, que je ferai de la politique. Et que je vais gagner, je vaincrai. Décoloniser économiquement un pays est le plus difficile. Vous êtes sur One Man Show. Ça, c'est le président Yulu, comme je l'avais jamais vu. Ça veut tout simplement dire, non? Je venais de réaliser que nous avons eu un grand homme d'État qui a voyagé dans le monde entier, qui parlait de paix et de tout ça. Et ce monsieur Willy de Boulle m'a interpellé lors de son passage dans l'émission le 17h. Nous allons suivre un peu ça ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Willy de Boulle, ce monsieur-là, monsieur Willy de Boulle, fait partie de l'association. Je vais zoomer un peu ça pour vous. Voilà, ça c'est monsieur Willy de Boulle. Il fait partie, monsieur Willy de Boulle est le président de cette association, le Secours Populaire Congolais. Donc, monsieur de Boulle, que d'ailleurs, que j'ai vu, qui m'a interpellé, savait que nous qui sommes dans les médias, nous sommes assez curieux, nous détectons ce genre d'informations. Et je n'ai pas hésité de l'inviter dans le show, afin qu'il puisse nous éclaircir un peu, qu'il puisse nous expliquer un peu sur cette solution. Parce que j'estime, par rapport à ce qu'il a dit, j'estime pour moi, c'est même ça, la solution. Nous allons aller suivre son live, l'extrait du live qu'il a eu à faire. Et ensuite, nous reviendrons sur le plateau. Donc, de toute façon, on va le suivre ensemble. Hein. C'est pas un problème. C'est un live. Alors, on va juste mettre le son ici. Parce que je crois que j'ai pas de son. Voilà. Donc, c'est un live que réhabiliter l'abbé Fulbert. Je demanderai peut-être, parce que nous soulevons là un sujet important, très très important. Tu vas pas nous faire le coup de la minute de silence quand même. Mais si, justement. Oh, d'accord. Bon, on y va alors. D'accord. Donc, dirige l'opération, mais accorde-nous une minute de silence pour le respect de ceux qui ont combattu pour la paix que nous avions héritée. D'accord, ok. On y va pour la minute de silence en mémoire du feu. C'est vous qui allez stopper les 1 minute. C'est parti.
Bon, merci beaucoup. Reza Desastre qui nous rejoint aussi. Nous avons fait une petite minute de silence en mémoire de notre regretté, le premier président congolais, l'abbé Fulbert Loulou. Je te redonne la parole, mon cher Willy Deboul. J'ai une question. J'ai une la question condamnation pour... démontre aujourd'hui que ensemble, c'est un peu délicat. D'accord. Bon, donc, notre invité, il va aller à risque. Il n'est pas en crise, notre de 1963, Justin Gomongomo. Hein? Bon, oui, il va arriver, Justin Gomongomo. Arrêtez d'envoyer des messages, je suis live, s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer des messages, je suis live. Arrêtez de m'envoyer des messages inbox, s'il vous plaît. Ça coupe le live. J'ai pas eu le temps de le bloquer, parce que... Ce qu'il dit là, je pense que ça nous intéresse tous, ça nous interpelle tous. Nous avons besoin de comprendre un peu parce que nous désirons tous, nous cherchons tous la paix dans notre pays. En tout cas, mon cher Deco, tout le monde publie sur ton mur. Hein. Pour les trouver, ce live-là, il est déjà allé loin. Il faut le trouver. Hein. Voilà, il est là. Il est là, ce live-là. Nous allons regarder. Voilà, bon. Ouais, de vrai nom, c'est... Tu as la main, mon cher ami. Donc, il suffit d'accepter. Je te redonne la parole. Le parti unique. Aussi, c'est très, très bien. Farel Mantadi, bonjour à toi, mon cher ami. Bon, c'est ça. Ensemble, c'est un peu délicat que nous ayons tous la même vision. Et je vais regarder ça. Bon, merci beaucoup. Reza Desastre qui nous rejoint aussi. Nous avons fait une petite minute de silence en mémoire de notre regretté, le premier président congolais, l'abbé Fulbert Loulou. Je te redonne la parole, mon cher Willy Deboul. Bon, merci encore une fois pour tous. Je dis bonjour à tout le monde et merci de m'avoir accordé cette interview. Ce qu'il dit est très pertinent. Qui me va droit au cœur. Très pertinent. C'est le combat de tous les Congolais. C'est vrai, des fois, la vision ne vient pas tous ensemble. C'est un peu délicat que nous ayons tous la même vision. Et je comprends bien qu'on va respecter le cadre de référence de tout un chacun lors de cet échange. Bon, je m'engage dans un combat que je ne dirais pas que le Congo a peut-être oublié, mais je suis conscient qu'ils sont au courant et qu'ils le savent, que l'abbé Fulbert Yulu, le premier président du Congo, ils le savent, et je le répète, et je pèse ce que je dis, n'avait pas commis de bévues, soit disant qu'il avait tout volé. Ça, c'est de un. Et de deux, en tant que père de l'indépendance, le traitement qui lui est infligé aujourd'hui, il ne le mérite pas. Dans aucun pays, on peut enregistrer de tels traitements. C'est un personnage historique, emblématique de notre pays. C'est le premier père de l'indépendance, le premier président. La conférence nationale. Je vais m'arrêter là. C'est très pertinent ce qu'il dit. On parle là de la réhabilitation d'un président. Et je vous conseille d'aller suivre ce live-là. Si tu es congolais, congolaise, faut aller l'écouter. Moi, je m'abstiens pour l'instant parce que j'ai décidé, moi et l'équipe de PSTV, nous avons décidé d'inviter M. Willy Deboul, le président de l'association Secours catholique, Secours populaire, ici. Donc ça, c'est son logo. Il sera dans nos studios vendredi. Le live sera vendredi à partir de 19h30.
jusqu'à 21h30. Pour ceux qui veulent participer dans le live, parce que c'est quelque chose de très pertinent, il s'agit de la paix que nous recherchons tous, il s'agit de la gaieté, il s'agit des paroles qui ont été prononcées par ce président. Et tous nous savons que les paroles ne sont pas vaines. Pour ceux qui savent, j'ai pratiqué souvent la parole au cours de ma petite vie. Je sais de quoi il s'agit. Alors pour ceux qui veulent participer dans l'émission, n'hésitez pas. Envoyez-moi une demande sur Inbox. Ensemble, nous allons sélectionner ceux qui vont participer dans l'émission pour qu'il n'y ait pas assez de pagailles. Effectivement, chacun peut aussi participer sous la Church Live. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, il sera en direct avec vous, avec nous. Et moi, je me réserve pour les questions parce que je n'ai pas envie, c'est très délicat. Et je pense que tout Congolais devait être alarmé par rapport à ça parce que là, il y a quelque chose dans l'air et on court peut-être vers la solution. Disons que c'est la solution même. Parce que c'est quelque chose de naturel. Donc je m'abstiens. J'avais prévu pas mal les choses pour commenter un peu ce qu'il disait. Mais je préférais la voie de la sagesse. Alors je vous invite tous, tous Congolais et Congolaises, en particulier les Lari, les Bakongo. Samou Benou Tatala. Donc, il faut la Kaba. La Kaba, la Kaba. Je m'excuse les gens. Je parle en Lari. C'est une langue congolaise. Hein, l'une des langues vernaculaires congolaises que nous parlons ici. Donc, voilà, je m'adresse aux Congolais. Kaba une émission, c'est important. Taririo, faut d'accord. Donc, c'est pas un show qui est là pour pouvoir vous distraire. Mais je pense que nous tous dans la diaspora, nous avons les mêmes préoccupations. Ça, c'est sûr et certain. Donc, monsieur Willy Dobou, moi personnellement, je me réserve aux questions. En tant que homme de médias, maintenant, j'ai eu à me documenter sur lui. J'ai eu à me renseigner. J'ai envoyé mon équipe de façon à savoir c'est qui cet homme là qui parle du Congo et du président de cette manière et d'une manière très importante et très intéressante. Et grâce à lui, je suis encore allé revoir. J'ai cette fois-ci écouté ce qu'il disait. Alors, vendredi, n'hésitez pas de participer dans ce show Tozo Panzandeke. Réservez vos questions, c'est chaud. Donc sans plus tarder, nous allons aller écouter un jeune Congolais qui s'appelle Kekolos, qui a fait un genre de rap de maintenant, là où il parle de l'école, il donne des conseils aux jeunes Congolais. Et tout de suite, après nous revenons sur le plateau, nous allons suivre ce jeune Congolais. Merci encore. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. PSTV pour toutes vos publicités et montages vidéo. Ainsi que des conseils en communication. She call me top shot, so yeah, I keep a few tings. Choppy on the sound, yeah, I got a few rings. And I'm on the way up. It's a one-man show. And you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hill to say, go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. PSTV, nous sommes auprès de vous. Auprès de vous. Regarde-moi ce petit-là. Il va tous les jours à l'école, Minezama Jimmy. C'est qu'à voir. Tchadjou. On voit qui va cailler, Nabi Kon Katana.
na butu ba monyo na wado sakana. Ima, tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Ima, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. On voit qui va cailler na bigo katana. Na butu ba monyo na wado sakana. Ima, tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Ima, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. Chaque chose a son temps, rétant de jouer, prenant le cahier. Je suppose qu'en son temps, Colo c'est doué, donc yo cahier. Quand c'est des vacances, amuse-toi, n'y a pas de bébé, n'y a pas s'inquiéter. Quand c'est la rentrée, n'abuse pas, t'auras des TD, n'y a pas s'entêter. Le fond en embouté, c'est tueux de tango, copo, c'est va exo. Une influence de bande aux habitudes, gaga, routine, d'abba texto. Toute la journée, tu navigues. Ou c'est WhatsApp ou c'est Phoebe. Le jour d'examen, tu paniques. T'as pas lu pour toi, c'est fini. La nuit devant la télé, ça c'est la distraction. Il faut ta télé, boss, c'est diffraction. Au lieu de suivre le journal, toi tu suis que des bêtises qui te détruisent. Avant que ça tourne mal, prends ton cahier et révise. On voit qui va cahier na bigo katana. Na butu ba monyo na wado sakana. Ima, tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Ima, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. On voit qui va cahier na bigo katana. Na butu ba monyo na wado sakana. Tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Humain, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. Les autres tout progressent beaucoup de dix points. Mon doigt tu regresses. Au cirque même les animaux comprennent quand on les dresse. Mais pourquoi te tais-tu? Beaucoup de bouquins. Va à l'école. Dans les caves, que fais-tu? Pourquoi mes bouquins? Tu prends l'alcool. On ne suit pas de lèvres à la fois. Un petit, ton avenir d'abord. À ton père, on a donné le rapport. Même ta mère, Marie, n'est pas d'accord. C'est maintenant ou jamais. Tes parents te soutiennent. Chika Buzoba. Chika Buzoba. Ils seront plus demain. Faut que tu te souviennes. Yoka Maloba. Dans la classe de le doyen. Que des salles dans toutes faites de moyenne. On veut bien t'aider. Mais n'y a pas un moyen. Tu dis que le féminin de voyou, c'est la voyelle. Ah. On est tous intelligents, okay. C'est la volonté qui compte, oui. C'est pas bon d'être indulgent. Parents, comprenez ce que je raconte. On voit qui va cailler na bigo katana. Na butu ba monyo na wado sakana. Ima, tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Ima, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. On voit qui va cailler na bigo katana. Na butu ba monyo na wado sakana. Tu veux faire la révision. Tes études avant tout. Humain, ou t'as vu l'addition ou division. Tes études avant tout. Merci d'avoir suivi cette chronique. Donc, comme j'ai dit, l'émission est pour vendredi, 19h30 à 21h30. Alors, les gars, les gens, n'hésitez pas de participer à l'émission. N'hésitez pas. Il s'agit du Congo. Si tu es congolais, congolaise, réserve ton vendredi parce que je pense que nous sommes arrivés au bout de cette histoire. J'ai l'intime conviction. Nous allons avoir un bon débat et nous allons parler cordialement. Même ceux de l'extérieur, hein, même ceux du Congo, hein, sont invités au débat. Nous sommes invités à cette émission. Moi, je vais poser pas mal de questions. J'ai eu à noter pas mal de choses. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas que sur One Man Show, nous avons que des bonnes nouvelles. Hein. Nous allons avoir bientôt cette saison. Nous allons avoir la première saison. Il y aura une première saison de l'émission Pause Café. Alors, je vous réserve des surprises. Pause Café, ça se fera en public comme c'est l'été. Donc, toujours des bonnes choses sur One Man Show, les gars. On se connecte et n'oubliez pas cette nouvelle chronique que nous avons commencée, hein, les préjugés. Hier, j'ai fait passer une première émission, la deuxième chronique hier. C'était, comment ça s'appelait déjà, le respect.
Donc partagez les shows, n'hésitez pas. Ici, c'est l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Donc merci encore d'avoir suivi One Man Show. À vendredi, les gens, à vendredi. Peace and love. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous.